Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je viens d'aller chercher une petite pépite et je voulais vous la partager. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur comme ça sur du Disney, je parle, sur du Disney. Amandine, elle en a fait un, le dernier qui est... J'ai eu des coups de cœur sur d'autres, mais les Disney... Allez, je vous le montre. Voilà. Les petites poupées, c'est les grands carrés Disney, donc ils sont aussi grands que les sirènes par exemple. Voilà. Donc celui-ci, il vient de sortir, à mon avis, best-seller. Art Therapy Hachette. Hein, comment, je vais pas y arriver. Hachette Hiro. Donc c'est Capucine Sivignon qui l'a réalisé. Et alors je vous dis que ça, le papier, il est très très bien. Donc ce qui m'a plu dans ce livre, c'est les petites poupées. Et c'est vrai que ultra cute, ultra mignonne, qui vous entraîneront dans de nouvelles aventures. Découvrez comme vous ne les avez jamais vus et retrouvez le plaisir de créer. Donc le papier est épais, on peut y aller, il n'y a rien derrière. On peut aller au feutre à alcool. Et regardez-moi ces mignonneries. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la partie croquis. Voilà, comme on faisait avant dans les dessins animés. Il n'y a pas de fioritures derrière, de petits dessins de machin comme ils ont l'habitude de faire dans certains carrés. Il y avait le 4 saisons en mini bloc, mais il y a des fioritures, des machins. Et regardez-moi ça. Il n'y en a pas une que je n'aime pas. Ça, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette méchante là. Regardez. Enfin, sont toutes très 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 belles. Magnifiques. Je comprends pourquoi les gens se mettent à le colorier. Hein. Franchement, c'est... Voilà, ce que j'aime particulièrement, c'est ça. Alors moi qui avais voulu faire du dessin animé à mon adolescence et que j'ai pas pu faire parce qu'il n'y avait pas d'école à l'époque, ça change beaucoup de choses. Pourquoi ils nous sortent pas des dessins comme ça pour les même pour les grands quoi. On sait jamais si Hachette passe par là ou je ne sais qui. Regardez. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a des anciens aussi. Y a des récents. J'avais pas vu lui. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est qui? C'est Hercule, je crois là. Ah non, c'est le prince de réponse. Ah, pardon, pardon, pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Là voilà la réponse. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Ah non, mais franchement, ah la tête de Simplet. Ah non, mais... Enfin, franchement, un gros, gros, gros coup de cœur là-haut. Pénélopé. Oh, lui, mais franchement, la tronche qu'il a. Bon, la petite sirène revient. Alors, c'est le prince de quoi ça? C'est le prince de réponse quand même. Il me semble, hein?
Donc voilà avec la méchante poulpe, hein, mais je ne sais plus son nom. Appelle le bois dormant. Cendrillon. Polochon. Ah non, c'est Nemo, c'est Nemo. Des neiges. J'adore. Ouh là 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 là. Lilo. Bon, elle a pas trop changé Lilo, hein, parce qu'elle était déjà toute cute. Vaiana bébé. Mulan. Comment elle s'appelle elle déjà? Je l'avais tout à l'heure, je l'ai mangée. C'est Clochette. Comment elle s'appelle déjà la princesse là? Amérindienne. Réponse. Ça c'est. Ah, je sais plus, je sais pas les noms. Je suis désolée. La princesse et la grenouille. Oui, d'accord, mais je sais pas son nom. Donc, gros crush. Ah, ça y est, ma caméra, elle a encore planté. Oui, je disais gros coup de cœur pour ce livre. Je vous dis à bientôt. Simone, tu fais attention. Surprise. Allez, à très bientôt. Bye. Qu'est-ce qu'elle a? Enfin bon, bref, ce n'est pas très grave. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Et Simone, je t'ai fait une surprise. Sois un peu patiente, je t'ai fait une surprise. Allez, gros bisous, à bientôt!